Mais je sais pas si sur le moment même ça a été difficile, mais c'est clair que c'était un rôle qui me ressemblait pas trop à la base. Donc on a beaucoup travaillé avec Chloé. Elle m'a vraiment bien dirigée. Et c'était pas difficile, mais c'était des petits challenges à certains moments. Déjà parce que le personnage de Inès est hyper sportif. Et en fait, je suis pas du tout sportive. Donc j'ai dû. Il y a une scène où j'escalade un arbre, j'allais toute seule sur cette place-là, j'essayais d'escalader toute seule l'arbre, puis je lui montrais, je me suis entraînée au basket, ça se voit pas, mais je vous jure, je me suis entraînée beaucoup. Donc c'était des petits challenges, mais c'était pas trop difficile parce que Chloé savait bien me diriger et avait les bons mots, quoi. Effectivement, le titre, on a vraiment choisi un petit détail, mais moi j'aimais bien parce que plaqué or, ça renvoyait donc le fait d'être enrobé de quelque chose mais de pas en être vraiment. Elle veut entre autres essayer de rentrer dans ce milieu, enfin se fondre dedans, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas les codes et que voilà. Aussi, il y avait le côté brillant et je trouve que le personnage est attiré par ce côté brillant, enfin voilà, elle veut en être, elle veut aussi briller, elle veut pouvoir profiter de ce dont les autres profitent. Et du coup, je trouvais que c'était un titre sympa pour faire passer toutes ces idées-là et en étant sur un détail et un petit peu original, voilà. Ben, en fait, je me rappelle plus exactement comment est venue cette idée, mais ce qui m'importait, c'était qu'on puisse voir du personnage d'Inès qu'elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut et aussi physiquement prête, enfin combative, à l'aise dans son corps. S'il faut escalader un mur, elle peut le faire, etc. Et du coup, l'idée d'avoir à atteindre quelque chose dans un arbre me permettait de montrer sa détermination et sa capacité à grimper, quoi, être dans un truc un peu métaphorique mais clair et net. Donc c'est pour ça, je pense que c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée du vélo dans l'arbre. Voilà. Ben, pour moi, c'était pas le but du film. Le film, il a vraiment été écrit. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est de suivre un personnage qui arrive jusqu'au point de voler. Et de voler de manière. Il fallait que ce soit un peu un dilemme, que ce soit difficile, enfin, que ce soit pas. Que ce soit compliqué. Et là, voler un garçon qui lui plaît, à qui elle plaît, qui est gentil, qui l'aide, ça rend la chose un peu conflictuelle. Mais du coup, le but n'était vraiment, vraiment pas de raconter une histoire d'amour, mais plutôt une histoire d'attirance comme ça. Elle est attirée par ce milieu et par lui, mais elle se sent pas légitime d'en être. Et elle a pas, enfin, elle accepte d'abandonner ça parce qu'elle n'arrive pas à y rentrer, quoi. Alors, leurs différences sont trop grandes, alors que pour lui, il le voit d'un tout autre point de vue et il voit même pas ce qui la bloquerait, elle. Mais oui, je trouvais que le prétexte, enfin, comment dire. Le prétexte de cette histoire d'amour impossible, et même pas une histoire d'amour, mais juste de cette rencontre qui ne peut pas vraiment se faire, est un bon moyen pour raconter et ces deux milieux sociaux et atteindre le goal. Mais je voulais vraiment pas raconter une histoire d'amour. Ben, je pense que tu relèves un point intéressant, c'est que. En fait, il y a beaucoup de scènes qu'on a enlevées avec la mère, et du coup, je pense qu'il y a des trajectoires du personnage de la mère qu'on perd un peu, et je peux comprendre qu'on soit un peu surpris par cette réaction qu'elle a qui est très vive. Mais bon, pour d'autres raisons, on les a enlevées finalement. Mais en fait, encore une fois, c'est une histoire de point de vue, c'est-à-dire que pour la mère, l'argent qu'elle économise là, il lui sert à des choses très précises. Les Par exemple, des factures. factures, par exemple, tous les imprévus, enfin, c'est de l'argent qu'elle doit protéger absolument. Pardon, elle doit protéger absolument. Elle, de son point de vue, c'est gravissime parce que certes, pour certains, ce n'est que 90 euros, 90 € pour Mais être pensée. pour d'autres, c'est une Mais en fait, survie, pour d'autres, quoi. c'est énorme. C'est vraiment de l'argent dont elle a besoin. Et c'est quelqu'un qui tisse au jour le jour avec très peu de choses. Et 90 euros, c'est beaucoup en fait. Et ça change beaucoup de choses. Et sans ces 90 euros, ben, c'est problématique. Et c'est une histoire de point de vue. Et Inès le sait très bien que c'est problématique, mais à part que elle, de son point de vue, assumer ses chaussures de merde de trouée, c'est beaucoup trop honteux. Et à un moment, elle peut plus vivre avec ça. Et l'idée n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais simplement, pour la mère, c'est choquant que sa fille en arrive à ça sans lui en parler, alors qu'elles ont quand même une relation intime. Enfin voilà. Donc c'est ce qui l'a fait aller si loin dans la colère. Elle est déçue de sa fille. Elle est choquée. Elle va avoir un problème. Elle va vraiment besoin de cet argent. C'est grave pour elle. Mais surtout, elle est déçue. Que sa fille
enfin, on vienne là et qu'elle ait rien vu, quoi. Ouais, tu veux commencer, tu parles tout le temps. Là, en ce moment, j'ai pas de tournage de prévu, mais j'ai fini un long métrage, un film d'époque de Xavier Giannoli, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une adaptation des Illusions perdues de Balzac. Et j'ai un film qui sort, s'appelle Fille de joie de Frédéric Fontaine, qui sort en Belgique, parce que je suis belge, et c'est un film belge, qui sort, je sais plus, février. Ouais, 12 février, bien joué. Le 12 février, et il sort en mars, je crois que c'est le 16 mars en France. Donc là, c'est les projets qui sont sûrs, et les autres, on croise les doigts. Voilà. Et moi, du coup, j'écris en ce moment des nouveaux projets. Je commence tout juste à écrire un long métrage, mais c'est un très long processus, donc voilà, on verra. Mais c'est la même thématique que le court que vous avez vu. D'autres personnes, c'est la même thématique. Et j'écris aussi un court métrage à réaliser avant. Voilà. Et sinon, je travaille avec un réalisateur belge qui s'appelle Joachim Lafosse, et je suis co-scénariste sur son prochain film. Moi j'ai peut-être mon interprétation, mais je sais pas. Je pense que à un moment c'était trop pour elle d'être dans un milieu dans lequel elle est déjà pas à l'aise et que elle se rend compte qu'en fait pour ces gens-là l'argent il est là et c'est facile. Enfin ils cotisent tous pour un saxophone alors que elle c'est la dernière de ses priorités. Elle même pour s'acheter une paire de chaussures parce que les siennes sont vraiment pourries, elle n'y arrive pas et donc je pense qu'elle est prise dans une espèce de tourbillon où elle sait que c'est mal mais en même temps elle veut le faire. Il y a eu ce truc avec sa mère où vraiment tout se mélange dans sa tête et elle contrôle plus et c'est plus fort qu'elle et elle en vient à le voler parce que c'est la seule solution qui est sur le court terme qui est devant elle et je pense que c'est pour ça qu'elle le fait quoi. Oui c'est ça. C'est vraiment ça pour moi, ce point où elle... En fait, quand elle est face à cet argent, tout devient absurde. C'est vraiment la... Enfin, elle voit clairement, c'est la preuve qu'ils sont de nouveau... Tout est relatif, quoi. Pour eux, tout cet argent, il y a beaucoup plus que 90 euros. C'est OK, quoi. Ils le cotisent tous. Ils ont demandé à leurs parents pour offrir un saxophone. Elle se fait hurler dessus par sa mère parce qu'elle a pris 90 euros pour acheter des nouvelles chaussures, sachant que les selles sont vraiment en un mauvais état. Et du coup, c'est vraiment... C'est violent, en fait, de se rendre compte à quel point... on ne vit pas les choses du même niveau et on ne ressent pas les mêmes choses. Et du coup, c'est effectivement cette espèce de solution à court terme, c'est qu'elle a besoin de cet argent, elle doit rembourser sa mère, c'est là, c'est accessible. Et malgré tout, ce besoin est plus fort que le fait de trahir, le fait d'oublier cette potentielle relation qu'elle pourrait avoir avec ce garçon. C'est le besoin et l'urgence est plus forte que tout ça. Le but c'était quand même d'atteindre le vol. Ça c'était le tout premier point de départ, c'était ça quand même. Et c'est parce que assez proche de moi j'ai eu une figure comme ça qui en arrivait à voler dans un contexte beaucoup plus grave et beaucoup plus important, mais dans cette même situation de frustration et de précarité et de rentrer comme ça dans un processus de vol. Mais ensuite, moi cette situation, pas de cette manière-là exactement, mais c'est un contexte dans lequel j'ai souvent été. Parce que mes parents sont divorcés depuis très longtemps et ma mère a toujours galéré de petit boulot en petit boulot. On a toujours dû tout compter et parfois c'était vraiment très compliqué. Et de l'autre côté, mon père a vraiment réussi sa vie, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas a gagné de mieux en mieux sa vie. Et du coup, je me suis retrouvée dans des contextes très très bizarres où je vivais deux réalités, une le week-end, une la semaine. Et voilà. Et donc c'était important pour moi de raconter cette violence en fait des deux milieux, ce sentiment d'injustice, c'est la faute de personne et en même temps c'est assez insupportable. C'est pas les mêmes moments, mais je pense devenir réalisatrice, j'en rêve vraiment depuis que j'ai 14 ans. Mais je pensais pas forcément que c'était accessible, enfin c'était un rêve quoi, donc je savais pas, voilà. Mais rentrer à l'INSAS, parce que c'est le concours de l'INSAS, c'est l'école que j'ai fait en Belgique, et rentrer ça a été la confirmation que je pouvais le faire et que c'était vraiment mon objectif. Et ce projet de film vraiment, c'est venu quand cette personne assez proche de moi, j'ai compris dans l'engrenage de vol dans lequel elle était rentrée, et du coup ça m'est apparu extrêmement clairement qu'il fallait, que j'avais envie de raconter une histoire dans laquelle on est dans l'empathie de quelqu'un qui, pour trop de frustration, pour trop de précarité, en vient à voler et qu'on comprenne et qu'on suive le cheminement, quoi.
parce que le film avait vraiment été pensé entièrement du point de vue d'Inès. Et l'idée, c'était d'épouser complètement toutes ses trajectoires, tous ses mouvements et seulement les siens, et d'être uniquement dans son point de vue. Et du coup, le format carré, parce qu'il est resserré, dirige très très clairement ce qu'on veut montrer, quoi. Et on pouvait, elle, un peu l'étouffer, être très proche d'elle, être collée à elle comme ça tout le temps, et seulement elle, et là, c'est vrai. Ouais, non, c'est étouffant, ouais. et en même temps, de l'autre côté, quand on filmait ce qu'elle regarde, parce que pour moi, on est vraiment toujours dans son point de vue, il y a très souvent son amorce, ou quasi, quoi. C'est de nouveau diriger vraiment, suivre exactement ses trajectoires, voilà. Donc c'était pour être très précis. Et après, je trouve ça très beau, c'est un format qui me plaît beaucoup, et donc... oui, ben, on a fait un casting, un long, pas un très long, mais quand même... L'attente était quand même... Ouais, long. Non, mais en fait, moi, au départ, je voulais travailler avec des jeunes de 16 ans, vraiment. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et plein de gens qui avaient lu le scénario m'avaient parlé de Salomé, qui, en fait, n'a pas 16 ans, mais 23. Quand on s'est rencontrés en casting, ça a été tout de suite. J'ai trouvé que c'était une excellente comédienne, mais c'est vrai que la voyant, pour moi, je la voyais quand même en tant que plus femme. J'avais du mal à la coller exactement au personnage. Et j'ai cherché un peu avec d'autres personnes. En fait, d'un moment, ça m'a semblé quand même être le choix le plus intéressant. Et on s'est beaucoup revus, on a beaucoup travaillé. J'ai vraiment cherché à voir jusqu'où je pouvais l'emmener. Et en fait, j'étais trop heureuse parce que ça a été un super choix. C'était génial. Mais voilà, j'ai vraiment fait des castings, c'est et par relation de gens qui conseillent telle ou telle personne, et en faisant vraiment des castings. Tu veux commencer en tant qu'acteur ? Ouais, en tant qu'acteur, je dirais, franchement, n'ayez pas peur, même si ça paraît un peu haut. Il faut le faire, faut pas hésiter à faire des projets étudiants, parce que ça fait une visibilité. Et puis il faut y aller quoi, faut pas avoir peur, cherchez les castings vous-même, même si c'est hyper gênant, qu'on a l'impression d'aller gratter, sonner aux portes, allez-y, essayez de vous faire un max d'images pour pouvoir les présenter. Et puis surtout que c'est. Moi aussi ça m'arrive de faire plein de castings et des fois on me dit non c'est pas toi, mais en fait c'est pas grave, c'est pas un échec. Donc si vous avez des castings que vous passez que vous n'avez pas, franchement c'est pas grave. Juste dites-vous qu'un réalisateur ou une réalisatrice, il a écrit le projet en ayant quelque chose en tête, et si c'est pas vous, c'est que c'était une autre personne, mais c'est pas grave, ça n'est pas de vous quelqu'un qui joue mal ou un mauvais comédien. Juste franchement allez-y, suivez votre rêve et puis Inch'Allah ça marche. C'est quoi les conseils? Eh ben, je pense, moi je dirais c'est un peu la même idée, mais je pense qu'il faut vraiment faire des films à fond. C'est-à-dire ne pas attendre d'avoir trop de possibilités, un cadre, un budget, un contexte. Je pense qu'il faut vraiment y aller, mais même avec votre téléphone, avec n'importe quoi, avec une caméra, enfin tout ce que vous avez sous la main pour faire un film, écrire une histoire. Simple ou compliqué, peu importe, tentez-la, faites-la, montez-la, vous allez voir ce que ça donne et vous allez refaire et réessayer. Je pense qu'il faut vraiment faire au max, parce que au début, les premiers films qu'on fait, on a vraiment envie de... Enfin, on a un peu un idéal comme ça à atteindre absolument, et il y a toutes les chances qu'on l'atteigne pas tout de suite, peut-être jamais, enfin j'en sais rien. Mais le fait de faire et d'essayer vraiment, ça détend un peu avec la forme, et puis ça, vraiment, on s'entraîne, quoi, et on comprend nos erreurs, on comprend au montage qu'en fait c'était un super mauvais choix d'avoir fait ça au tournage, mais ok, c'est pas grave, je le ferai plus. Et je trouve faire le plus vite possible, avoir une idée très simple, écrire, tourner, monter, c'est la meilleure chose à faire pour apprendre et connaître ce qu'on aime et ce qu'on peut faire, voilà. Alors, pour moi, c'est pas une critique spécialement d'une génération de maintenant, et c'est pas tant le fait de vouloir être comme tout le monde, c'est plus ce qui m'intéressait. Enfin, le choix de l'adolescente, c'est plus parce que à l'adolescence, le regard des autres, je crois, est quand même beaucoup plus important. C'est le moment où on devient. On se construit une identité, on se construit plein de choses, et on vit un peu par le regard des autres. C'est très. Voilà, c'est crucial. Et du coup, l'histoire que je voulais raconter, ce problème de frustration et de honte, prenez. Une dimension énorme à l'adolescence, mais en fait pour moi c'est pas qu'un problème d'adolescence, c'est un problème de tout le temps. C'est très dur d'être témoin de ce à quoi on n'a pas accès et de vivre ça en continu, en fait. Donc c'est pas, je fais pas du tout une critique de l'adolescence, c'est plutôt un point précis où c'est très important et où la honte, je pense, peut être
peut prendre beaucoup de place, voilà.